اتحاد طلبة المسلمين الأجانب بوجدة كتضم 700 طالب من دول جنوب الصحراء اللي العدد ديالها 16 دولة، كلهم كيتابعوا الدراسات العليا في جامعة وجدة والمدارس العليا. عندنا هنا إن شاء الله أطباء مستقبل، مهندسين، دي جيغيست، دين الاقتصاد، وعندنا هادو يعني سفراءنا إن شاء الله غادي يكونوا سفراء ديال المغرب في إفريقيا. واجب علينا نساعدهم. ديما كان نحتفلوا بالعيد الأضحى هكا في واحد الجو عائلي، وكتكون واحد المؤسسات داعمة دائما كتتعاطف معهم، مؤسسات، جمعيات مجتمع المدني وأشخاص محسنين. على رأس المؤسسات عندنا المجلس العلمي لمدينة وجدة والولاية الجهة الشرقية. عدد الأضاحي وصل هذا العام إلى 18 أضحية ما شاء الله بفضل تكاتف الجهود. ميز هذه السنة هو حضور الجالية المغربية بفرنسا اللي ارتأوا أن يهدوا أضاحيهم إلى هذا الطلبة اللي هم أبناؤنا. يعني البعد الإفريقي حاضر والامتداد المغرب في إفريقيا حاضر تماشيا مع سياسة المغرب في الانفتاح على إفريقيا. Je représente l'association SDC Source développement culturel. Et aujourd'hui, vraiment, on est très, très, très heureux de pouvoir partager l'Aïd al-Adha avec toute cette communauté, mashallah. C'est juste super, on est là. Pour faire aussi appel à vos dons, pour pouvoir qu'ils puissent bénéficier, parce qu'ils sont quand même très, très nombreux. Donc voilà, en tout cas, on est très contents de pouvoir partager l'Aïd al-Adha avec toutes ces personnes. Et c'est que de la joie. Et j'invite toute personne à pouvoir participer de près ou de loin, Inch'Allah. Et je vous souhaite tous un Aïd Mubarak à tout le monde, Inch'Allah. De la nationalité centrafricaine. Donc je suis au Maroc depuis presque 2 ans. Aujourd'hui, c'est une journée qui va marquer la fête du Tabaski. Et ça nous a trouvés ici au Maroc, alhamdoulilah. C'était une fête qui s'est très bien passée. Et à travers notre association UMO, nous avons pu être en contact avec beaucoup d'associations. Cette association nous a aidés avec des bêtes et voilà. Donc ça va nous aider à faire une fête entre nous, en communauté, à savoir comment la fête se passe ici au Maroc, à être aussi en relation avec les frères marocains, les sœurs marocaines, qui nous ont vraiment aidés de tout leur cœur, de toute leur satisfaction. Ça nous a beaucoup touchés et ça nous a beaucoup émus, vu que nous ne sommes pas au pays. Mais on se sent comme si on est chez nous, on est avec notre famille. Disons que le Maroc, c'est comme de chez nous. Et alhamdoulilah, nous remercions aussi notre roi qui était là toujours pour nous donner de bonnes choses, de bonnes leçons. Et alhamdoulilah, espérons que les autres qui vont venir, les autres étudiants vont aussi faire la même chose que nous.